L'être humain est un être d'apprentissage. D'apprentissage dans le sens de déployer ce qu'il a déjà en lui. Le potentiel, la capacité qu'il a déjà en lui. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Il y a déjà tout en nous. Quelquefois, ça est à des niveaux latents. Et il faut juste que nous soyons dans une certaine position, face à une certaine situation, pour que ce qui est en nous se déclenche. Mais tout, absolument tout, est en nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se met des limitations. Non, je ne vais pas y arriver. Non, je ne serai pas capable de le faire. Non, c'est trop difficile. Non, j'ai atteint un âge où je ne peux plus apprendre. Non, si, non, ça, non, si, non, ça. Vous savez, le cerveau, c'est comme une éponge. Le cerveau est capable d'absorber absolument tout type d'informations. Mais surtout, il est comme un ordinateur. Quand tu dis à ton ordinateur, pour copier ses contrôles Alt-C, chaque fois que tu vas faire CTRL-C, il va copier. Le jour où tu veux coller, que tu fais CTRL-C, il ne va pas coller. Jusqu'à ce que tu lui donnes une nouvelle consigne pour dire que pour coller, fais CTRL-V. Ou bien dorénavant, pour copier, ça ne sera plus CTRL-C, ça sera CTRL-T. Il va faire quoi? Il va appliquer ce que tu lui auras donné comme consigne. Que tu dises « je peux le faire », que tu dises « je ne peux pas le faire », dans les deux cas, tu as raison. Parce que quand tu dis « je ne peux pas le faire », tu as donné une instruction à ton cerveau, tu lui as dit « mets-toi en mode, tu ne peux pas le faire ». Il ne fera rien d'autre que ne pas pouvoir le faire. Quand tu lui dis « tu peux le faire », il n'a pas d'autre choix que d'obéir à la consigne que tu lui donnes. Donc jusqu'à présent, quelle consigne tu as donnée à ton ordinateur qui est là? Combien de fois tu l'as limité alors que sa capacité, son potentiel est illimité?